La créature décide d'avancer dans notre direction, toujours sur ses deux pattes. Sa démarche est maladroite, comme celle d'un animal à la patte cassée. Réveillé par mes cris, Steve démarre la voiture et accélère. I can't listen to country music because that's all they ever play to drown out my screaming. Could you open the door? Why not? Do you know why? They put a chair behind it. Oh, okay. Who put a chair behind it? Barbie. Doris Calhoun est une grand-mère tout à fait ordinaire. Elle aime faire des gâteaux, s'occuper de son petit jardin et surtout, elle adore gâter ses petits-enfants. Elle a un âge où la vie peut devenir assez vite monotone, hein. Les journées peuvent vite se ressembler. Du coup, même si elle n'a plus la forme de sa jeunesse, c'est clair et net, elle adore recevoir ses petits-enfants. Et elle est bien gâtée puisque sa fille Barbara a eu 6 enfants. Ouais. Incroyable. Lors de la soirée de Thanksgiving 1999, ces petits monstres sont totalement déchaînés. Doris essaie de couper la dinde, de tout disposer sur la table à manger, elle court à gauche et à droite, et elle est constamment bousculée par les gosses qui courent partout. Parfois, elle fait carrément une pause pour les observer, hein, et elle se dit mais waouh, comment ils font pour avoir autant d'énergie? Mais il y a une exception à la règle, la petite Lorraine. Elle est vraiment différente de ses frères et sœurs. Elle est plus petite, elle est plus réservée et surtout, elle a d'autres priorités. Manger. Mais manger beaucoup. Tout l'apéro y passe. Et quand elle a terminé, elle fouille les placards de la cuisine à la recherche de la moindre chose à avaler. Doris l'observe quelques instants et puis elle se met à souffler quand même. Elle se dit mais waouh, Lorraine, elle est super gourmande, c'est dingue. Elle ne pense qu'à manger. Sa fille Barbara lui répond ouais, je sais... Elle a des petits troubles alimentaires, j'ai un peu de mal à la canaliser, hein, honnêtement. Mais ça ne ressemble pas du tout à de la gourmandise. C'est pas de la gourmandise, ça. Cette fillette a l'air d'une personne qui vivrait dans la rue et qui n'aurait pas mangé depuis des semaines. Elle avale la nourriture comme si sa vie en dépendait. Finalement, la grand-mère, qui a d'autres choses à faire, se tourne vers ses autres invités et elle oublie complètement la petite fille. Elle l'ignore, mais c'est la dernière fois qu'elle verra Lauren avant très... très longtemps. Bon, imaginez un petit peu la tension qui règne dans la pièce ce jour-là. Barbara Calhoun, 21 ans, est déjà mère de 2 enfants. C'est beaucoup à cet âge. Elle sort à peine de l'adolescence et elle doit déjà faire face à tous les défis du quotidien et surtout porter de grosses responsabilités. Pendant que les jeunes de son âge vont en boîte, vont à l'université, sont tout à fait insouciants, elle, elle est mère de famille tout simplement. Malheureusement, elle vient d'avoir un nouveau problème. Le test de grossesse qu'elle a fait à l'instant affiche un résultat positif. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'est pas heureuse, vraiment. Barbara s'effondre sur son lit. Elle a l'impression qu'elle va s'évanouir. Oh là là, mais non, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que j'ai foutu? Je peux pas me permettre un autre enfant maintenant. C'est vraiment pas dans ces circonstances. Elle repense à toutes les nuits blanches, à tous les sacrifices qu'elle a déjà dû faire pour ses enfants. Et en plus de ça, elle n'est pas riche non plus. Vraiment, elle se sent dépassée, épuisée. Et cette nouvelle grossesse est la dernière chose dont elle avait besoin à ce moment-là. Le soleil est en train de se coucher sur la ville d'Athènes dans le Texas. Barbara s'occupe de ses enfants, elle leur donne le bain, elle leur prépare le repas du soir. Et en même temps, elle est en mode pilote automatique. Dans sa tête, il y a plein de questions qui se bousculent. Il faut que je prenne une décision, mais laquelle? Qu'est-ce que je fais? Comment je vais m'en sortir? Barbara va passer plusieurs nuits à réfléchir. L'avortement, c'est peut-être la meilleure des solutions, la plus rapide, mais à chaque fois qu'elle envisage cette option, elle est envahie par le doute. Pour l'instant, elle a juste besoin de prendre le temps de réfléchir, de peser le pour et le contre, et ensuite, elle prendra une décision qui changera à jamais le cours de sa vie. Heureusement, elle a un quotidien bien chargé avec 2 enfants en bas âge, donc elle n'a pas réellement le temps d'angoisser. Un jour, alors qu'elle lit un journal, un article attire son attention. Devenir mère porteuse, une solution pour aider les couples infertiles. Barbara est super intriguée, et en lisant l'article, elle se dit « Mais oh my god, c'est un signe de l'univers !» Elle ne souhaite pas avorter. Alors, pourquoi ne pas transformer cette situation difficile en une opportunité? Elle pourrait aider un couple à réaliser son rêve d'enfant tout en gagnant un petit peu d'argent. Quand je dis un petit peu, c'est un euphémisme, hein. Les mères porteuses aux États-Unis peuvent gagner jusqu'à 250 000 $. Et franchement,
Barbara aurait bien besoin d'une telle somme. Elle ne tarde pas à trouver ses victimes. Vous comprendrez pourquoi je les appelle comme ça plus tard. Il s'agit de Sabrina et Bill Cavano, un couple d'une trentaine d'années qui souhaite agrandir leur famille. Pour eux, c'est la démarche de la dernière chance. Alors ils placent vraiment beaucoup d'espoir dans cette rencontre avec Barbara. Le jour J, les Cavano sont assis dans un café. Les gens qui passent à côté de leur table remarquent qu'ils sont vraiment amoureux. Ça se voit directement. Et en même temps, ils sont très anxieux. Ça aussi, ça se voit vraiment directement. En tout cas, ils ont l'air de gens respectables, de gens propres sur eux. Ils inspirent vraiment la confiance, contrairement à la personne qu'ils s'apprêtent à rencontrer. Barbara entre dans le restaurant. C'est une petite brune aux cheveux frisés. Elle a vraiment l'air d'un animal sauvage. Hein. Elle a l'air un peu méfiante. Elle est surtout très réservée. On voit à peine qu'elle est enceinte. La conversation commence et dès les premières minutes, Barbara est catégorique. Ouais, mais moi, je suis prête à renoncer à cet enfant tout de suite, en fait. Ouais, vraiment. D'abord, je ne connais pas l'identité du père. Et en plus, je suis certaine que vous pourrez vous en occuper mieux que moi. Sabrina et Bill sont vraiment touchés par cette jeune fille qui, disons-le, a l'air vraiment paumée dans la vie. Hein. Elle vient clairement d'un milieu défavorisé. Pendant 8 mois, le couple est aux petits soins. Allô, Barbie? Ah, tu veux un McDo? Ok, bah justement, je suis dehors, là. Ok, j'arrive au drive. Tu veux quoi? Big Mac? Sans cornichon? Ok, sans cornichon, je te mets aussi une grande frite. Ça marche, j'arrive. Oui, Barbie, tu veux un coussin de grossesse? Pas de souci, j'allais justement aller au Walmart, là, donc je vais voir s'ils en ont et je te le rapporte. Oui, Barbie, t'as mal au ventre? Oh là là, ok, ça va pas du tout, prépare-toi, je viens te chercher, on va à l'hôpital. Si Barbie a besoin de quoi que ce soit, il saute dans leur voiture et il lui apporte. J'exagère vraiment à peine, hein. Le bébé arrive le 12 avril 1993. C'est une petite fille et les Cavano ont décidé de l'appeler Lauren. Sabrina est présente dans la salle de naissance et vraiment, elle saute en l'air. Elle saute dans tous les sens. Elle n'arrive pas à tenir en place. Elle attend ce jour depuis si longtemps. La chambre est déjà prête. Les vêtements sont déjà prêts. La vie va être juste incroyable. Sabrina et Bill sont gaga de leur petite fille. Ils l'ont attendue tellement longtemps qu'ils ont tendance à la gâter un petit peu trop, hein. Mais bon, on leur pardonne. Les premiers mois sont heureux, vraiment. Après tant d'années, les Cavano ont enfin accompli leur rêve. Tous les matins, quand ils sont réveillés par les pleurs de Lauren, il leur faut un petit moment pour revenir à la réalité, quoi. Waouh, on a un bébé, quoi. C'est fou, on a une petite fille. Pour eux, c'est incroyable. Mais un jour, tout bascule. Le téléphone sonne et leur apporte une très mauvaise nouvelle. C'est leur avocat. Monsieur et Madame Cavano, je sais pas trop comment vous dire ça, avec tact, hein. Alors je vais y aller franchement. Barbara a déposé une demande de garde pour Lauren et dans l'attente d'une réponse, elle souhaiterait au moins obtenir le droit de la voir plus souvent. Les Cavano sont vraiment sous le choc. Ils sont sous le choc. Ça fait 1 an qu'ils connaissent Barbara, ils lui faisaient totalement confiance, elle ne leur avait jamais montré de signe d'attachement à cet enfant. Et là, elle leur plante un poignard dans le dos. Et puis surtout, ils aiment cet enfant, c'est leur enfant. Ils sont bouleversés par cette nouvelle. Barbara et son nouveau mari, Kenneth Atkinson, obtiennent de la cour une sorte de garde alternée. Les termes ne sont pas très clairs, hein, mais tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est que Lauren passe de plus en plus de temps avec sa mère biologique. Un jour, après avoir récupéré Lauren chez Barbara, Sabrina décide de changer sa couche. Elle a déjà remarqué que Barbara pouvait se montrer un peu négligente à ce niveau-là. Du coup, c'est toujours la première chose qu'elle fait dès qu'elle récupère l'enfant. La maman retire la couche, elle s'apprête à passer une lingette, mais Lauren hurle, elle la repousse. Et ça, c'est très bizarre, hein. C'est bien la première fois qu'elle fait ça. En l'examinant de plus près, Sabrina remarque des grosses rougeurs dans les fesses de l'enfant. La région a l'air gonflée, elle a l'air éraflée, c'est juste un cauchemar. Vous le savez, hein, parfois quand un enfant porte une couche trop longtemps, il peut avoir des irritations, mais là ça n'a absolument rien à voir. Et Sabrina se dit, mais oh là là, non, j'espère que ce n'est pas ce que je pense, j'espère vraiment. Sans perdre un instant, elle fonce à l'hôpital. Et là, elle fait une demande qu'elle ne pensait jamais faire un jour, surtout pour un bébé. Je suis certaine que mon bébé a été agressé sexuellement. Est-ce qu'on pourrait l'examiner? Malheureusement, les médecins refusent la demande d'un kit de viol. Mais les Cavano restent choqués. Ils ne vont pas laisser Barbara et Kenneth s'en tirer comme ça.
Si l'hôpital ne les aide pas, alors peut-être que le juge pourra le faire. Ils prennent plein de photos à présenter au juge, 45 photos en tout. Mais le jour de l'audience, le juge a un comportement très étrange. Au lieu d'être choqué, il leur dit « Vous faites plus de mal à ce nourrisson en prenant toutes ces photos que cette mère n'en ferait jamais. » Au cours de l'année suivante, le couple doit progressivement abandonner leur petite fille. Parce que c'est leur fille, hein, c'est leur enfant. Et ça, c'est aussi dû à une erreur de leur avocat qui n'avait jamais soumis les documents nécessaires pour révoquer les droits parentaux de Barbara. Et ça, ça lui a permis d'obtenir gain de cause assez facilement. C'est vraiment un triste jour. Sabrina conduit avec Lorraine jusqu'au parking d'un Walmart, donc d'un magasin. Lorraine a maintenant 20 mois et elle doit être rendue à sa mère biologique. Imaginez juste l'état de Sabrina à ce moment-là, hein. Vraiment. Mais elle n'a pas le choix dans tous les cas puisque le juge a tranché. Avant de donner l'enfant à Barbara, Sabrina lui demande « Pourquoi est-ce que tu veux la garde de Lorraine alors que t'as même pas réussi à créer un lien avec elle, quoi ?» Et devinez sa réponse. Devinez. « Ma mère a dépensé trop d'argent pour la récupérer. Maintenant, je ne peux plus l'abandonner. » Elle ne dit pas « J'aime mon bébé, vraiment, j'ai fait une erreur en devenant mère porteuse. » Ça aurait peut-être soulagé Sabrina. Non, son seul argument sont les honoraires d'avocat d'un montant de 650$. Le jour où Lorraine arrive chez sa mère biologique, sa vie change complètement. Barbara n'a préparé aucun vêtement, aucune chambre, aucun lit pour ce bébé. Vraiment absolument rien. La première chose qu'elle fait, c'est de lui construire une sorte de couchette à l'aide de couvertures et de l'y déposer. Voilà, reste là, j'en ai plus rien à faire de toi. Son intention est vraiment très claire, hein. Laisser Lorraine pourrir sur ce matelas et ne jamais s'en occuper. Barbara oublie tout. Elle oublie de la changer, elle oublie de la nourrir, elle oublie de la coucher. Sa fille représente une nuisance dont elle veut se débarrasser à tout prix. Et quand son bébé pleure à cause des mauvais traitements, tout ce qu'elle pense à faire, c'est de lui crier dessus. Vous vous en doutez, hein, à 20 mois, Lorraine sait marcher et se déplacer, hein, donc elle explore un petit peu sa nouvelle maison. Et puis comme tous les enfants, elle commence à attraper des objets, à les casser. Normal encore une fois, mais pas pour Barbara. Un jour, après que Lorraine ait cassé un objet, elle est tellement furieuse qu'elle prend une décision. La mettre au placard, littéralement. Ce placard fait 4 pieds sur 8 pieds, donc environ 1 mètre sur 2 mètres. Hein. C'est vraiment un placard minuscule. Et la petite fille va y rester pendant 3 heures. 3 heures sans eau, sans nourriture, juste l'obscurité. La petite fille pense d'abord qu'il s'agit d'une punition. Mais la punition va devenir de plus en plus fréquente, puis totalement permanente. La vie de Lorraine se résume à 4 murs dans la pénombre. Elle passe d'une famille aimante, avec sa propre chambre, ses jouets, absolument rien du tout. Mais un être humain a énormément de besoins, au-delà juste d'être nourri. Son esprit doit être nourri autant que son corps pour qu'il se développe correctement. Est-ce que vous connaissez les expériences de privation maternelle? Je crois que c'est le nom. Ces études ont été menées par différents chercheurs à partir des années 1940. Et l'une des études les plus célèbres est celle réalisée par le médecin et psychanalyste René Spitz. Il a passé plusieurs années à observer les nourrissons qui étaient placés dans des orphelinats où ils étaient totalement privés d'interaction. Hein. Dans ces pouponnières qui abritaient des centaines d'enfants parfois, hein, les infirmières administraient seulement les soins les plus basiques. Donc nourrir les bébés, changer leur couche, voilà. Par contre, elle ne leur parlait pas, elle ne les câlinait pas, elle ne jouait pas avec eux. En bref, pas d'interaction sociale. Et René Spitz a constaté que les enfants soumis à ces privations affectives souffraient souvent de retards de développement, de problèmes émotionnels graves. Et surtout, ils étaient plus susceptibles de mourir jeunes que les enfants élevés dans des environnements familiaux stables et aimants. C'est important à savoir ça quand même. Dans ce placard, la petite Lorraine Cavano dort, elle vit, elle mange, elle fait ses besoins. C'est son donjon. Et surtout, bah elle ne parle à personne, jamais. Dans cette petite pièce, il y a peut-être un oreiller, peut-être une couverture quand elle est sage. Et tous les soirs, elle pleure jusqu'à s'endormir. Et ce n'est pas comme si elle pouvait s'échapper dans la rue et aller alerter ses voisins. La porte de ce placard est fermée à clé. Ouais. Mostly, my parents, they would always, you know, come up with some kind of excuse as to why, you know, she wasn't in the living room and in the living room with us or eating with us. They would always say that she was being bad. We didn't know what that meant, but we knew that whatever it was pretty bad because it caused her to be away from us.
Lorraine en sort pour aller manger de temps en temps, et surtout pour les rassemblements familiaux, parce que ce serait quand même bizarre si elle manquait toujours à l'appel. C'est dans ces rares moments que Doris, sa grand-mère, remarque son comportement vraiment étrange. Le jeudi 25 novembre 1999, c'est Thanksgiving, jour de fête pour tous les Américains. Lorraine a 6 ans, et pour une fois, elle est heureuse, elle ne pleure pas dans son placard. Elle a le droit d'en sortir, puisque toute la petite famille va se rendre chez Doris Calhoun, la mère de Barbara, afin de fêter Thanksgiving. Dans la voiture, elle salive déjà en pensant à toute la nourriture qu'elle pourra avaler. Alors les adultes discutent, les enfants jouent, et Lorraine, elle, passe tout son temps à manger. Elle avale de grandes quantités de nourriture comme si elle voulait se remplir entièrement. Bien sûr, hein, les oncles, les tantes, les cousins, ils la dévisagent, ils la regardent un peu de travers. Mais pourquoi elle mange autant celle-là? Et même sa grand-mère se questionne. Non, Lorraine ne souffre pas de troubles alimentaires, comme le prétend Barbara. Bah, c'est juste qu'elle est affamée, en fait. Dans le placard, la fillette est totalement abandonnée à son sort. Et elle serait déjà morte si sa sœur aînée ne lui apportait pas à manger de temps en temps. Des biscuits et du beurre, une soupe froide, vraiment rien d'incroyable, rien de très nourrissant. Hein. En tout cas, on peut le voir. Les frères et sœurs sont quand même solidaires entre eux, car ils sont tous victimes d'abus, mais pas au même degré. Hein. Il faut quand même le dire, c'est vraiment Lorraine qui souffre le plus. Sa mère prend un malin plaisir à la torturer. Un jour, Barbara ouvre le placard. On peut imaginer que Lorraine plisse un peu les yeux à cause de la lumière. Peut-être aussi qu'elle a peur, hein, puisqu'elle a des ennuis à chaque fois qu'on vient la chercher. Mais ce jour-là, sa mère est extra gentille, extra prévenante. Elle la conduit jusqu'à la salle à manger où se trouvent déjà ses frères et sœurs. Sur la table, il y a plusieurs bols de macaroni au fromage fumant. Ah, Lorraine en a vraiment l'eau à la bouche. Barbara attrape un bol, le pose devant Lorraine et devinez ce qu'elle lui dit. « Ça, c'est ta part. Tu as le droit de mâcher, mais tu n'as pas le droit d'avaler. » Ça, c'est vraiment une torture digne du Moyen-Âge. Vraiment. Mais honnêtement, elle est peut-être plus facile à supporter que ce que je vais vous raconter ensuite. Vous vous souvenez quand je vous disais que Lorraine avait peur de sortir du placard car elle avait des ennuis à chaque fois qu'on venait la chercher. Un jour, Blake, la sœur aînée de Lorraine, se trouve dans sa chambre. Et là, elle entend un boucan incroyable. Quelqu'un a allumé la radio et a mis de la musique country à fond. Le son résonne dans toute la maison et il provient de la chambre d'amis. Alors Blake se rapproche de la pièce et c'est là qu'elle entend des hurlements atroces. Ces hurlements étaient masqués par la musique. C'est la voix de Lorraine. Blake, en tant que grande sœur, elle sent son estomac se tordre, mais elle ne peut rien faire. Elle se bouche les oreilles et elle s'éloigne de la pièce le plus possible. À ce moment-là, elle est convaincue que ses parents sont encore en train de frapper Lorraine. Mais la vérité est bien pire. Ils abusent d'elle d'une autre manière. Bon, il faut savoir que Kenny et Barbie sont un peu nymphomanes. Hein. Ils font l'amour presque tous les soirs, et en plus, ils n'essaient même pas de le cacher à leurs enfants, ils sont extrêmement bruyants. Ça encore, ça leur regarde, hein, mais impliquer leur petite fille dans leurs ébats, c'est vraiment dégueulasse. Parfois, Barbara rentre à la maison accompagnée, accompagnée d'hommes ou de femmes. Ce ne sont pas des amis, ce sont des pédophiles qui la payent pour avoir des rapports intimes avec Lorraine. Je vous laisse digérer l'information. Et à chacune de ces sessions de viol, les parents sont dans la pièce et ils observent tout avec beaucoup d'attention. L'un des hommes qui agresse souvent la petite Lorraine porte un costume de clown et il se surnomme lui-même le Candyman. Après ces sessions de torture, Lorraine n'arrive pas à dormir la nuit. Parfois, elle pleure, parfois, elle hurle de douleur. Et dans ces moments-là, c'est sa sœur aînée Blake qui la sort de son placard pour lui faire prendre un bain. Dès que Lorraine s'assoit dans l'eau devient rouge sang. Elle a des blessures sur la tête, sur le dos, des brûlures de cigarettes et surtout, son entrejambe saigne. Vraiment, qu'est-ce que je peux dire de plus ? Blake sait que sa petite sœur a besoin d'aide, mais elle ne sait pas comment la sortir de là. Je précise aussi que Blake a seulement 10 ans à l'époque, qu'elle est elle aussi maltraitée et surtout qu'elle est elle aussi terrifiée par ses parents. People always ask me, you know, why didn't you do anything? Why did you lie? And I was just doing what my parents told me. Pour la petite Lorraine, ces petits moments anodins font du bien. Quelqu'un lui fait prendre un bain, quelqu'un la sèche, lui donne des vêtements propres, quelqu'un s'occupe d'elle, ça lui met du baume au cœur. Et surtout, elle préfère quand même que ce soit Blake qui lui donne un bain plutôt que sa mère. Parce que quand c'est sa mère qui le fait, elle a tendance à essayer de la noyer. Chaque journée apporte son lot de violence.
Lorraine ne se souvient même pas d'une vie sans abus, sans placard et sans fin. Honnêtement, j'aimerais vraiment pas être la fille de Barbara. C'est une femme totalement instable. Après avoir récupéré la garde de Lorraine, Barbara s'est mariée 2 fois et a divorcé 2 fois. Elle a donné naissance à 2 garçons et 1 fille. Et en plus de ça, elle ne travaille pas. Elle ne travaille pas, non. À chaque fois que Barbara ne peut pas payer le loyer, elle déménage. C'est plutôt pratique, hein, on devrait tous faire ça. Elle fréquente des foyers pour femmes ou des parcs de mobil-home. En tout cas, que des endroits qui ne sont pas du tout adaptés à l'épanouissement de ses enfants. The house was always dirty and laundry was piled up. Barbie would go and get bags of discounted clothes instead of doing laundry. Il y a comme un schéma précis là. Barbara tombe amoureuse d'hommes assez médiocres. Elle fait des enfants avec eux, peut-être pour l'argent, hein, pour qu'ils s'occupent d'elle. Ensuite, elle les quitte ou elle est quittée. Hein. Et ensuite, elle se met à détester ses propres enfants autant qu'elle déteste leur père. Nous sommes maintenant en juin 2001. Kenneth Atkinson, le beau-père de Lorraine, hein, moi je l'appellerais plutôt bourreau, et bah il vient de faire une découverte qui le fait sortir de ses gonds. Il vient d'apprendre que sa femme, Barbara, l'a trompé. Bah oui, hein, franchement, quel idiot de croire qu'elle l'aimerait pour toujours. Maintenant, vous connaissez un peu le schéma de Barbara, elle se lasse très vite des hommes. L'ego fragile de Kenneth est totalement piqué et il se met dans une colère noire. Mais comment elle a pu me faire ça? Comment elle a osé? Il fait les 100 pas dans la maison à la recherche de la paix, mais il ne la trouve pas. Il a la haine, hein, et surtout, il veut que sa femme paye pour ce qu'elle a fait. Peu importe le prix, Kenneth bout de l'intérieur. Il attrape une paire de chaussures, au hasard, hein, et il sort de la maison. Il sait où il doit se rendre, chez Jenny Rivers, la voisine d'à côté. Toc toc toc, hey Jenny, t'as une minute? Je dois absolument te montrer quelque chose. Jenny suit Kenneth jusqu'à sa maison, puis dans un couloir, puis dans une chambre. Et là, elle se dit quand même, mais qu'est-ce qu'on fait ici? Une fois dans la chambre, Kenneth ouvre le placard et elle découvre la petite fille. Ce que j'ai vu, c'est un monstre. Une toute petite créature. Elle était faible et sans couleur. Ses bras me semblaient mesurer moins d'un centimètre. Elle était complètement nue. Jenny court jusqu'à chez elle et elle dit à son mari « Mais tu croiras jamais ce que j'ai vu chez les Atkinsons !» Le couple appelle immédiatement la police. Le 11 juin 2001, des policiers se rendent au domicile de Kenneth et Barbara Atkinson à Hutchins, au Texas. Apparemment, une enfant de 8 ans, Lorraine Cavano, serait maltraitée par le couple. Honnêtement, rien n'aurait pu les préparer à ce dont ils ont été témoins lorsqu'ils sont entrés. Je suis entrée et je cherchais un enfant de 8 ans, mais j'ai vu ce qui ressemblait à un enfant de 3 ans. La petite fille avait des brûlures de cigarettes et des blessures sur tout le corps. Elle se plaignait des poux dans ses cheveux et lorsque les agents lui ont demandé son âge, elle a répondu qu'elle avait 2 ans. Parce que c'est le nombre de fêtes d'anniversaire qu'elle avait eues. Lorraine est immédiatement transportée à l'hôpital. Les médecins réalisent qu'elle a cessé de se développer à l'âge de 2 ans, lorsqu'elle a été ramenée à sa mère biologique. C'est assez incroyable. Surtout, Lorraine est littéralement en train de mourir. À cause de la faim, parce qu'ils ne sont pas nourris, ses organes sont en train de s'éteindre. La peau du bas de son corps est totalement rouge et déchirée parce qu'elle a passé des mois accroupie dans sa propre urine et ses propres excréments. Inside, there was feces on the wall, urine-soaked pillowcases, towels, bread bags, empty ones. Ses organes génitaux sont totalement défigurés par des années d'abus sexuels. Lorraine n'a plus qu'un seul orifice en guise de vagin et d'anus. Ah, c'est super ça. Et puis surtout, le cerveau de Lorraine s'est atrophié. Pourquoi? Parce qu'elle a été enfermée dans un placard pendant les années les plus critiques de son développement. Honnêtement, les médecins sont fatalistes. Ils pensent qu'elle ne vivra jamais une vie normale. L'affaire éclate dans les médias locaux et même nationaux. Tout le monde parle de la petite fille dans le placard. À la télévision, on peut voir des images de Barbara et Kenneth Atkinson hués par la foule. Bref, ils n'ont que ce qu'ils méritent. À cette époque-là, Sabrina Cavano travaille de nuit dans un restaurant et un soir, elle reçoit un appel de son mari Bill. Il lui demande « Quels étaient les noms complets de Barbie et Kenny ?» Elle lui répond que « Leur nom de famille est Atkinson. » Et là, il lui dit « Sabrina, ils sont à la télé. » Lorsque les Cavano comprennent ce qui s'est passé, ils prennent immédiatement contact avec les autorités. Ils veulent savoir si Lorraine peut être adoptée à nouveau. Et Sabrina, elle est vraiment furieuse. Elle se dit « Mais je vais les tuer tous les deux, ou alors je vais castrer Kenny, mais je peux pas rester là sans rien faire !» Il a fallu 3 jours au couple Cavano pour convaincre la police et les services de protection de l'enfance qu'ils avaient adopté Lorraine à la naissance, mais qu'ils l'avaient perdue pour un vice de forme.
Le lendemain matin, Sabrina et Bill sont conduits au 5e étage du centre médical pour enfants de Dallas. Dans une pièce se trouvent des enfants en train de jouer, et parmi eux, il y a Lorraine. Elle est toute petite. Jour après jour, pendant environ une semaine, les Cavano observent Lorraine de loin. Un après-midi, la pédiatre de Lorraine et l'assistante sociale décident qu'il serait peut-être temps d'organiser une rencontre. Lorraine ne peut manger que de petits repas. Elle mange environ 6 petits repas par jour, et surtout, elle mange toute seule sur une petite table de pique-nique installée dans un couloir. Elle est tellement terrifiée à l'idée que quelqu'un puisse lui prendre sa nourriture que c'est la seule solution qu'ils aient trouvée pour la faire manger. Alors le groupe attend qu'elle ait terminé son repas, et puis il se dirige vers la table de Lorraine. Hello Lorraine, on a des gens à te présenter. Voici Sabrina et Bill Cavano. Est-ce que ça te dérange si on s'assoit ? Là, Lorraine lève les yeux vers les Cavano et elle demande immédiatement « C'est mon nouveau papa et ma nouvelle maman ?» Trop mignon. Lorraine a du mal à s'adapter à sa nouvelle vie. Elle ne sait pas aller aux toilettes, elle ne sait pas se servir d'un couteau ou d'une fourchette. Et la première fois qu'elle sort à l'extérieur pieds nus, elle se met à pleurer parce que l'herbe lui pique les pieds. Elle n'avait jamais senti cette sensation auparavant, c'est dingue. Grâce aux efforts des parents adoptifs de Lorraine, la fille du placard commence à s'adapter au monde extérieur. Bill et Sabrina Cavano adoptent légalement Lorraine en juillet 2002, donc 13 mois après que Lorraine ait été sauvée de sa mère biologique. Alors depuis, je dois vous avouer que la vie de Lorraine n'a pas été de tout repos. I hardly sleep. I have night terrors, nightmares, flashbacks. Elle a à nouveau été violée par le conjoint de sa cousine alors qu'elle avait 12 ans. Et puis en 2018, elle a été emprisonnée pour avoir elle-même abusé d'une jeune fille de 14 ans. Louisville police telling us that Lauren Cavanaugh actually used her Facebook page to reach out and lure victims through that. They do believe there might be more than one victim. De leur côté, Kenneth et Barbara Atkinson purgent tous les deux des peines de prison à vie. Quand je lis ce genre d'histoire, je me dis que tout le monde ne devrait pas avoir d'enfants, clairement. Ça devrait être un droit limité, contrôlé, parce que certaines personnes sont vraiment malades. Et elles créent d'autres individus qui sont tout aussi malades, qui souffrent et qui vont peut-être eux aussi faire souffrir. C'est horrible comme histoire. Vraiment, c'est terrible. C'est le côté le plus dépravé de l'homme, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est dégueulasse, quoi. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette histoire dans les commentaires. Je suis vraiment curieuse. Même s'il n'y a pas grand-chose à dire, on peut juste vraiment avoir de la compassion pour Lorraine. Enfin, il n'y a même pas grand-chose à dire, en fait. Je vais arrêter la vidéo ici, hein, pour pouvoir souffler un bon coup. Et puis, moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, faites attention à vous, prenez soin de vous. Je vais laisser dans la barre d'infos des numéros qui pourraient vous être utiles si jamais vous subissez aussi des abus, ou si vous connaissez des personnes qui pourraient subir des abus, ce serait bien utile. Essayons de nous serrer les coudes, hein, ok? Je vous fais des bisous.